Tu habites où, Françoise? Ici, à la Bresse. On vit dans une communauté. Très bien ici. Super. Cuisiner ensemble. Fais une cuisine. Très bien la cuisine. C'est magique, je ne sais pas pourquoi. Mais je me suis trouvé avec un don de travail. J'ai des projets dans la tête. Et foyer, les sorties, bowling. J'ai pyrogravure avec Gaël. Je fais de la mosaïque super bien. Oh, pour profiter des anniversaires. La pièce chantal. Tu m'aimes bien? Ah oui, beaucoup, toi. Et moi aussi, je t'aime bien. Je suis rentré en 2013 et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mes sens de pas mal de trucs. J'aime bien chanter, j'aime bien chanter. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi. Attends, vous êtes mieux chanter à part, parce qu'on va pas y arriver comme ça. Au foyer de la Braise, on accueille des adultes en situation de handicap mental qui partagent leur quotidien avec des éducateurs. Tu te rappelles quand il y a eu la fuite d'eau? Ouais. Et que ça coulait sur ton lit? Ouais. C'était en pleine nuit. Et donc t'es venu nous voir pour nous dire il y a de l'eau partout. Alain ne devait pas être content, j'imagine. Non. Il a dû avoir peur lui aussi. Je sais pas comment ça m'a senti mouillé ma chambre. Dans le chemin d'Alain. Oui. Dans l'autre écoute, ah, écoute oui. Ça. Donc du coup ça avait coulé juste sur ton lit. Et je me suis aperçu dans la chambre à Alain, il y avait finalement, il y avait beaucoup. Il arrivait juste sur ton lit. Et ensuite on a eu une deuxième, juste là de la fenêtre. Ouais. Là. Ouais, de là. Pour qu'on ait un nouveau toit. Ouais. Pour qu'on arrête de recevoir de l'eau sur la figure. Ouais. Ce qui pourrait être sympa. Cet hiver, on a eu un dégât des eaux qui venait du toit de la braise. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment refaire le toit, qui est en mauvais état. Pour que les personnes puissent vivre dans un environnement sain et continuer à partager ce quotidien et cette joie qu'elles apportent tous les jours. Donc on a vraiment besoin de vous pour avoir un toit tout neuf. Moi je trouve que ça serait génial qu'on ait un beau foyer et que les projets c'est pas donné. Et c'est vrai que moi je me suis aperçu les travaux ça coûte très cher. J'aime beaucoup ce foyer. Je tiens à y rester le plus longtemps possible. Parce que si on s'y mettait tous, on y arriverait à faire un beau foyer. C'est le bonheur. S'aider entre nous. D'ailleurs, je crois que c'est ça qui fait la vie de foyer. S'aider. Alors je sens en moi mon cœur qui.